dominer actualité en Haïti et à travers le monde. Moi, c'est Jacques Labélisère, dans Live Touch Show avec JB. Hier, nous partons ensemble et nous parlons avec Jean-Roberto, donc nous avons son petit sevrage qui était fait, mais on est habitué à sevrage, donc ça veut dire nous te retrouvé nous dans sac passé Haïti à 12h30. Je vous dis, c'est pas moi qui a présenté, c'est Jean-Robert qui a présenté la cause. C'est jeudi que ce n'a pas fini trop bon. Et puis, après-midi, nous avons gagné à 4h. Rendez-vous info. Merci d'être scorité fidèle à tout programme VOA Creole, que ce soit et dans la télévision, dans la radio ou bien dans l'autre plateforme que nous gagnons. Ça fait nous un pile plaisir, pas même imaginer. Donc, moi-même, Jacqueline Belizea, avec support et technique, gentil Augustin Junior, eh ben, nous venons la caillou et nous disons merci d'être qu'on permet nous entrer la caillou ou bien dans le bureau ou bien même dans la machine, nous sous absurde. Eh ben, nous prenons la partie rapide avec l'actualité dans le pays d'Haïti. Eh ben, nous connaissons conseil présidentiel de transition, il est toujours non impasse, côté que le pourquoi qu'a fonctionnel. Et depuis après que vous êtes fin nommé et président ou bien coordonnateur et conseil là, en parlant de Edgar Leblanc fils et puis Fritz Belizère comme premier ministre. Discussion faite sous Jean Yofel là, sous processus là, il dit pour y avoir pas de gain élection. Son acclamation que t'es gagné. Donc, il y a un paquet et problème qui fait que jusqu'à présent, malgré que le conseil présidentiel de transition a été réuni hier, il y a lundi, mais il n'y a pas qu'on joigne en tête totale sous situation pour qu'à rendre organe exécutif là fonctionnel. Mais tout, et pendant qu'il a fait toute tractation, ça n'a pas empêché que problème pays a, eh ben, l'a augmenté dans la question système santé à son problème. Question insécurité à tout le monde parle, le pays d'Haïti bien, surtout le monde qui est dans la zone métropolitaine, Port-au-Prince, il y a même des juifs errants, il y a couru, je dis à eux là, demain on l'autre abri provisoire, il n'y a pas qu'on qui côté pour mettre tête, et c'est comme ça que tout gagne plus passé, il y a 30 ans, l'hôpital qui est obligé de fermer les portes à cause du climat violent, ça parce que, et monsieur Gang n'a pas choisi qui côté pour yo faire bah yo faire n'importe côté et centre médical yo en général et dans les pays les guerres et ben centre médical ambulance tout bah ça c'est des côtés qui étaient protégés mais c'est une violence aveugle qu'a fait donc l'hôpital ça yo et plus qu'une trentaine obligé fermer porte yo et puis tout gain toujours aéroport international tout seul ouverture là qui lui-même qui toujours fermé c'est toujours au cap de servir et quelques avions. Donc, il a fait planification. Nous connaissons que gon paquet côté qui était tout près et aéroport que il a détruit parce que maison assurance a fait pression sur les aériens pour question assurance et il a dit que il y a des ajustements pour faire si vous voulez que et mes compagnies d'assurance aéro toujours kembe et transaction avec. Donc gan pile petit kay que écrasé mais jusqu'à présent situation pour qu'on régulariser et grand pile vol commercial qui oblige à repousser vol que vous avez gagné, que vous avez dit que vous avez repris pendant mois. Mais pendant ce temps, gagné tout. Des hélicoptères, avions et américains qui portaient matériel pour la police nationale, là, pour, matériel tout qu'on y a pour l'armée, gagné qui dit qu'on évolution de la pensée américaine parce que longtemps, vous avez plus, vous avez dit que sur la police nationale, là, mais qu'on y a et l'armée entrée dans la cause. Pendant ce temps, gagner aménagement, arrangement, préparatif capet pour mission et multinationale pour appuyer à la sécurité dans le pays d'Haïti qui a gagné Kenya dans la tête. Eh bien, il y a un groupe qui a venu d'ici fermé à un moment que le président Kenya, William Ruto, lui-même l'a visité Washington, c'est dans la zone 23 mai ou comme ça. Donc, c'est une situation que nous avons suivi pour qui a un rapport tout avec les États-Unis. Et puis, avec toute l'autre réaction qui gagne à travers le monde. Et puis, concernant pays d'Haïti tout, eh ben, gagne une grosse réunion qu'a fait demain dans Washington et VOA promet pour l'île là, pour le capable de suivre pour vous, son grosse réunion qu'a fait dans la zone Capitol Hill là. L'a gagne un paquet de speakers de marque. Par exemple, a gagne député Ayanna Pressley, qui c'est membre congrès, gagne et chez la chef Phyllis McCormick qui c'est député d'origine haïtienne, député américain d'origine et haïtienne Kapla, gagne Frederica Wilson qui membre congrès tout, gagne Cory Bush et Kapla, gagne Gerline Joseph qui c'est directrice exécutive Asian Bridge Alliance et qui a là gagne Marie Estimée Irvine qui c'est nouveau
et Chairwoman et National Asian American Elected Officials Network qui c'est NEON et puis gagne sa petit Caplato gagne Patrick Lawrence Capla donc son gros réunion qu'a fait demain et ici Washington et objectif réunion c'est premièrement c'est redésigner ou bien et prolonger TPS pour haïtien yo. Deuxièmement c'est et motiver conscientiser administration et Biden Harris la sous situation pays d'Haïti. Donc c'est point ça yo avec un pilote que eh ben moun sa yo gros speaker sa yo gros autobris sa yo dans congrès américain, pas seulement dans congrès américain parce que y a bien des officiels et haïtiano américains qui a plateau tant que Marie Estime Irvin et Kapla gen Gerlin Joseph qui c'est directrice exécutive Asian Bridge Alliance qui a plat. Donc c'est un grand rendez-vous et VOA Creole a plat pour le couvrir événement ça pour demain à Washington. On nous garder actualité à Konya qui pas gain rapport avec Haïti mais qui gain toujours gain rapport avec États-Unis et ben gain étudiant Cap Goumet étudiant Cap qui en faveur Palestine qui continue à faire manifestation gain par exemple dans Boston Massachusetts gain MIT étudiant MIT et ben yo te mettre au dehors et ben yo reprendre campus à Gouma la police bah était chargé yo Gouma avec la police yo reprendre yo craser barricade pour reprendre place donc il a manifesté et Konya dans Boston t'es gain tout et bon New York lui-même c'est tête chargée c'est toujours tête chargée c'est un petit peu bastion hein? Et bien que t'es fonti calme Chicago reprend jodi a encore et puis son mouvement qui a gagné et un peu partout pas seulement été aux États-Unis qu'on y a Berlin et gain manifestants Paris gain manifestation mais manifestation pro et palestinien surtout avec situation qui tête chargée et qu'on y a là et avec cessez-le-feu que yo tapé se joine et en Égypte entre le et Qatar avec l'Égypte té dans un premier temps avec Hamas joine yon entente yon accord que Hamas té d'accord que pou gars ta suspend et puis yo tapé libéré tout otage mais Israël dit c'est yon situation qui inacceptable yo pas capable d'accord n'a gè pour nous retourner sous lit encore mais en attendant par bon ici et ben manifestants continue à et fait un dévoyau en faveur Palestine et c'est un élément qui est très important surtout nous à quelques mois des élections qui fixé pour 5 novembre. Donc ça a gagné en valeur électorale parce que gagné Israël qui c'est un gros allié les États-Unis et États-Unis c'est plus gros allié et Israël surtout dans la guerre ça et gagné tout frange palestinien aux États-Unis qui gagne valeur tout. Donc cela veut dire que leur président au pays tant que les États-Unis ou prend entre deux feux ou prend entre Israël qui sont alliés américains que pas moyen et puis avec palestiniens autour eux même qui gagne tout et capacité de nuisance surtout en termes électoral. Donc président Joe Biden qui gagne pour fond discours aujourd'hui a eh ben il a déjà fait analyse sur qui genre discours cap sorti, il dit peut-être que le capable sorti avec dernier discours que le fait sous là il dit que les États-Unis c'est un pays qui pas by moun bouba bouquette, ça veut dire si étudiant veut exprimer, il a gain droit exprimer, c'est pays a c'est consacré au gain liberté la parole. Mais dit liberté de la parole là tout pas permettre qu'écraser ou pas qu'à briser. Ça veut dire pendant on fait manifestation, on doit faire tant de voix ou pas gain doit craser bah l'état ou pas gain doit faire ça. Donc c'était la position de la Maison Blanche dans voix président Joe Biden, mais gain moun cap analyser qui dit que discours président pral faire dans question bah holocauste, il t'a supposé aller dans même sens là. Toujours pour protéger la chèvre et le chou. Par contre, qui est-ce qui la chèvre là? Qui est-ce qui est le chou? Si c'est Israël qui la chèvre là, si c'est Palestine qui la le chou là, par contre, mais c'est un petit peu ça, analyse fait qu'on est. Et puis, l'autre point que, dans l'actualité, ici, aux États-Unis, pendant la période de l'élection, Bernie Sanders, c'est un ancien candidat à la Maison Blanche, qui a annoncé, il a non communiqué que, il pral derrière un autre mandat encore dans le Congrès, pour Vermont. Et monsieur gagne 82 ans. Fondi Bernie Sanders, c'est il très connu comme il fait partie de ça les démocrates progressistes et lui c'est un homme de gauche, très de gauche et Bernie Sanders lui-même qui était candidat à la Maison Blanche en 2016 et en 2020, il était même et c'est lui crasé qui était ça devant Joe Biden pendant primaire démocratio. Ça c'était en 2020. Donc, monsieur, malgré son âge avancé,
82 ans, même je dis comme ça que eh ben lui-même l'ipral et briguer un autre mandat. Donc il pral derrière un autre et mandat à 82 ans là. Il faut le faire. Nous moi ouais monsieur cap parler toujours et toujours jam avec son discours très socialiste là. Et donc il dit il pral derrière un autre ben encore. Donc t'as comme te dit nous et nous t'as retourné dans Moyen-Orient, eh ben Israël dit eh ben jeudi mardi que il prend contrôle yon bot nan Gaza surtout qui traversait Rafah parce que et yon même problème qui gagne hein, c'est que dans Washington Nations Unies avec l'autre pays yon dit Israël pas fait yon opération Jean dit le pral faire là nan Rafah parce que gen presque moitié population Gazaouia qui là et plus passer 1 million moun ki la eh ben moun sa yo eh ben si wal font razia là eh ben ça on ben de sang pas oublier que Rafah tout près frontière avec l'Égypte donc en pile moun en pile l'Occident a dit Israël pour le pas faire mais Israël dit comme ça que c'est seul moyen pour lui finir avec Hamas c'est pour le ratiboiser Rafah donc t'es gan pile de gabissement que t'as fait hier pendant que t'as fait tractation et Qatar avec l'Égypte pour jouer dans cessez-le-feu, mais cessez-le-feu a pas marché. En attendant, c'est tout le monde qui gagne yeux braqués pour voir est-ce que opération Israël a privé après plusieurs semaines côté que eh ben il a cherché une négociation. Donc situation compliquée pas bon ici, n'a pas gardé pour nous voir qui j'en sais. L'autre point d'actualité internationale là, c'est Vladimir Poutine. Président Vladimir Poutine, il a commencé son cinquième mandat, jodi madia, comme leader russe là, dans une prestation de serment extraordinaire dans le Kremlin, comme d'habitude avec tambour et trompette. Donc, il a commencé un autre mandat 6 ans, après il finit, d'après mon qui a analysé, eh bien, monsieur détruit opposant politique, il a lancé la guerre contre l'Ukraine, et il a pratiquement, c'est un nègre qui a kembe tout pouvoir et n'amène. Et lui déclarer que eh ben là pas c'est sûr qu'il y a passé un moment qui est difficile mais a passé la Russie a passé dans la dignité et que il y a pour que gens que il est capable de passer avec tout honneur que ça gagne donc c'est pendant une cérémonie dans le grand palais Kremlin hein, Poutine te mettait main sous constitution russe là et lui promet pour le défendre eh ben devant un foule monde qui t'a choisi eh ben li dit que la kembe dignité le temps que nous sommes dit déjà. Et puis l'autre point que nous capable signaler, deux points, yon c'est sport, yon c'est littérature. Premier point dans sport, c'est après-midi, à demi-finale auto. Ça va le gâter dans Parc des Princes, dans Stade de France là, côté que Paris Saint-Germain, le club de Kylian Mbappé a accueilli Borussia Dortmund. Dans match aller qui était joué en Allemagne, eh ben Dortmund impressionnant et calé PSG 1-0. Mais qu'on y a et PSG avec tout Kylian Mbappé il face à l'histoire. Est-ce que après réussi qualifier pour finale parce que c'est demi-finale retour et c'est dernier match que pratiquement Kylian Mbappé a joué avec Paris Saint-Germain dans niveau ça. On va me contre ça l'avenir qu'a dit non, mais en attendant c'est ça. Est-ce que Mbappé est capable qualifier et PSG dans situation ça fait me songer en pile à Philippe Vob. Philippe Vob gros joueur football, gros chroniqueur sportif, nèg qui remet boule. Et me toujours un bon souvenir avec Philippe Vob parce que monsieur t'ai prêté un livre pour lui, pour me fait yon écrit un papier, l'aime dans journaliste, me dit Philippe Vob merci en passant. Donc yo dou yon grand joueur football, c'est un joueur football côté que gon débat dans match football, yo pourquoi ka départager les deux protagonistes, deux équipes qui en face, et puis gros joueur football là vini, et ben le trancher débat. Donc ça veut dire est-ce que Mbappé a ka mettre le niveau ça pour le trancher débat. Donc son match qui était très ouvert, moun pas capable faire gros pronostic avant match ça parce qu'il capable basculer n'importe qui côté, mais Paris Saint-Germain a recevoir Borussia Dortmund avec un déficit de yon goal. Nous connaît et l'autre demi-finale là les mêmes et c'est un classique dans le football mondial là, c'est Real Madrid avec Bayern de Munich donc n'attend. Et puis l'autre fait encore c'est Bernard Pivot. Bernard Pivot, il mourait à 89 ans,
monsieur t'a gagné yon monsieur t'a gommé avec un cancer bien que monsieur t'a quitté et gan pile tant que pas monsieur et monsieur t'a kembe que maladie à main et ben gen petite fille qui dit que monsieur mouri hier et Bernard Pivot c'est un grand nom et pour la télévision française mais surtout littérature monsieur sonne qui gen passion pour les mots passion pour les expressions et Haïti t'a remen encore parce que tout intellectuel jeune intellectuel et m'a parlé de Gentil Augustin Junior qui est très jeune m'a parlé de génération Pamelin et génération Franz Duval là et ben nèg sa yo faut te garder apostrophe parce que l'on chita apostrophe ou gon da baga gon go ba wa bon gon ti on ti verre de l'eau on boit boit de l'eau glacée on va garder une belle apostrophe et même sur la gain de l'eau tout parce que l'on garder apostrophe tout hier donc c'est géant ça qui mourit et Bernard Pivot c'est un monde que dans pays d'Haïti classe intellectuelle intelligentsia haïtien dans terrain mais en pile monsieur te fait non à travers le monde tout et donc hier monsieur mourit il était un cancer donc la France a pleuré le départ de grand nom d'une grande figure de télévision et de littérature Bernard Pivot moi c'est que celle là l'a prêté et pas oublier capter toutes tes plateformes VOA Creole et ben c'est ton plaisir pour me te présenter nous live tout chaud avec moi-même Jacqueline Bézère, JB et puis me te gagne support technique de Gentil Augustin Junior Jean-Marc Hervé Abelali même dans cala même si a font l'autre travail parce que monsieur a fait production pour sac passé Haïti que Jean-Robert Philippe a présenté donc tout le monde là dans cala et Valerio New York et puis Gentil, Jean-Marc Hervé Abela et Jean-Aubert qui tape Télé-Walk hier, monsieur Aveno, Sandra Lemaire, toute équipe là, c'est un plaisir pour nous servir. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, toujours été branché sous